Brice Dundee, il a chopé le caïman. Alors, on va voir un gros spécimen. Caïman à tête large. Ce caïman a une spécificité. Alors, là, il est calme. Il y a des fois, il peut être vorace. Parce que c'est un caïman, comme vous avez vu. Il est très vorace quand même. Comme vous le voyez, il faut toujours être sur ses gardes. Mais je vais lui faire la technique de l'endormissement. Voilà. Je le caresse. Je le caresse bien. Voilà, là il est endormi. Là, il est endormi. Il est en hypothermie. On dirait presque un matelas, et c'est le marrant. Quand il s'en va, et ben il coule. Et toujours la tête en dehors de l'eau. Toujours. Regardez, on va le laisser partir tout doucement. On va le remettre sur le ventre. Tout doucement. Toujours. Allez, pars petite bête. C'est incroyable. Et remonte sur le bateau. Et vous pouvez essayer de le rechoper, monsieur Crocodile Dundee. Ça va être un peu... Allez. Difficile. C'est un beau, là. Il fait presque 2 mètres, hein. Je me fais mieux. Dépêche-toi, il n'y a plus de beaucoup de vidéos, là, dans la mémoire. Hein. Ma mère, elle me dit toujours que je fais un métier facile. Oh, là, il y rattaque. J'ai oublié de vous faire voir la particularité. Les couilles, on n'a pas vu les couilles. Du... Voilà, c'est ce que j'ai. Il a une particularité, ce crocodile, c'est qu'il a les couilles au niveau de la tête. Alors, hop, voilà, hop, on voit bien que c'est un mâle. Oui. Regardez, hop, et là, hop, hop, c'est étanche. Bon, on va le laisser partir tranquillement. C'était Brice Dundee. Oh, merci Brice. Ah, moi, est-ce qu'on peut voir votre combinaison un peu plus au niveau de la lumière? C'est très important, hein. Ah oui, c'est pour se faufiler dans cette faune. Je sais pas si vous voyez, mais mon caleçon a la même couleur que l'eau. Le bonnet est très important. Il permet de flotter la tête hors de l'eau et de toujours voir sa proie par-dessus. Important. On va peut-être arrêter, non ?